Eh bien salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu particulière sur la chaîne puisque nous allons réaliser un tuto sur le mode replay. D'ailleurs c'était bien la fin des deux vidéos car j'ai une annonce importante à vous faire. Comme annoncé dans l'intro, je vais réaliser avec vous un tuto sur le mode replay. Alors le tuto il va être divisé en deux parties. Dans la première, on abordera l'interface et dans la deuxième partie, on verra comment faire pour rendre un aspect cinématique de nos gameplay pour réaliser un montage. Alors si vous n'avez toujours pas activé l'option, c'est simple, on va aller dans les paramètres ensuite, jouabilité, on va aller tout en bas, il y aura l'onglet rediffusion. Donc euh, enregistrer les rediffusions, on va mettre oui. Ensuite, euh, vous n'aurez plus qu'à enregistrer les paramètres. Bon, moi, je ne le fais pas parce que c'est déjà activé. Ensuite, pour accéder à nos rediffusions, on va se rendre dans carrière rediffusion. Et là, on aura toutes nos rediffusions de nos parties. Donc, une fois que l'on lance la rediffusion, on arrive sur notre gameplay qui commence depuis le début. Sur la timeline, on peut voir des cibles qui correspondent au nombre de kills que l'on a fait. Et la croix correspond au moment de notre mort. Et en cliquant dessus, on peut accéder directement au passage du kill. Juste en dessous de la timeline, on retrouve différentes icônes. Alors la première correspond à l'ATH que l'on peut cacher. Cela nous servira notamment pour enregistrer nos cinématiques. Donc juste à côté de l'ATH, on va retrouver la liste des joueurs présents à proximité avec leur niveau, leur nombre de kills et leur barre de vie. Donc on continue ensuite avec les options de caméra. Donc dans l'ordre, on a l'exposition, l'ouverture, la distance focale et la mise au point. Pour l'exposition, l'ouverture et la mise au point, je vous conseille de laisser les réglages par défaut. Et au milieu, on retrouve la touche de lecture classique avec le marche-arrêt, le retour en arrière. On a aussi la possibilité de soit ralentir ou d'accélérer notre gameplay. Juste à côté, on va pouvoir switch directement de joueurs présents dans la partie. Suivant la distance, on aura un petit temps de chargement. Et on finit avec l'option la plus intéressante qui va nous permettre de changer de point de vue de caméra. Donc, on a la vue à la troisième personne qui nous place en vue TPS. Le drone centré va centrer la caméra sur le personnage mais ne va pas suivre ses mouvements. Le drone attaché va suivre tous les mouvements du personnage. Et enfin, le drone libre va nous permettre de déplacer la caméra partout où on veut dans l'espace. Et la vue par gameplay qui est la vue par défaut du jeu. Voilà, maintenant qu'on a vu tous les outils de l'interface, on va s'intéresser dans la deuxième partie comment rendre tout ça pour avoir un rendu cinématique. Donc je vous dis à tout de suite.